Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux pour atteindre la planète Vénus, quelques millions de kilomètres et plus? Tout se passa pour le mieux à l'aller. Les deux cosmonautes étaient enchantés. Ils l'étaient moins au moment de repartir, quand la fusée refusa d'obéir. Car les stations de dépannage sont loin d'encombrer l'horizon. Ce sont les risques d'un voyage avec une fusée d'occasion. Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux? Une occasion même bien révisée peut bien avoir quelques vices cachés. Avec une clé anglaise et un marteau, ils essayaient de réparer l'oiseau en se disant, puisqu'il est bien venu, y a pas de raison pour qu'il n'en reparte plus. Car les stations de dépannage sont loin d'encombrer l'horizon. Ce sont les risques d'un voyage avec une fusée d'occasion. Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux sur la bonne foi d'un marchand d'occasion qui doit tout vendre, le mauvais et le bon? Une fusée de première main, je veux bien, sans aucune tache sur les coussins, je veux bien, pour un simple vol orbital, d'accord, mais pour Vénus, j'estime que c'est un tort. Au prix où sont les dépannages d'une voiture dans Paris, partir comme ça dans les nuages, j'estime que c'est de la folie, de la folie, de la folie.